Salut, c'est Bibi sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Voici où trouver des truites silencio. Ces poissons sont indispensables pour améliorer à fond la tenue furtive, celle qu'on peut acheter au village Kokoriko. Perso, c'est le seul emplacement que j'ai trouvé et c'est tout autour de la forêt Korogu au niveau du lac d'Omorian. Au sud du lac, il y a un emplacement avec de larges planches qui vont nous servir d'embarcation. Et donc sur la carte, j'ai mis des petites marmites pour signifier les spots récurrents pour ces poissons, mais il y en a un petit peu partout au niveau du lac. Un conseil évidemment pour les repérer encore plus facilement, c'est d'en prendre une photo et mettre ce poisson comme recherche active. Et un dernier conseil, c'est de les farmer la nuit, on voit mieux, ils se détachent mieux dans l'eau quand il fait nuit. Quand vous le prenez en photo, ce poisson, ça va être l'animal numéro 60. Voilà, c'est juste pour que vous le retrouviez dans votre encyclopédie. Par contre, n'y allez pas à coups de bombe, ça va les griller et bah voilà, ça va juste servir de bouffe, mais ça va pas être utile pour aller voir la grande fée. Oh tiens, trois exemplaires de la truite, et eh bien on va farmer ça, mais bon vous avez compris le principe, faire le tour du lac de temps en temps pour récupérer une petite dizaine de poissons, ça ne se refuse pas. Sur ce, je vous souhaite de bonnes prises, je vous souhaite un bon jeu et à bientôt. Ciao.